bonsoir la VOD, on se retrouve pour la suite de notre petite découverte, la bêta de Black 4 Blood. Salut tout le monde. Coucou. Salut tout le monde, salut les gens. Salut. Bonjour, bonjour YouTube. Ici Twitch. Bonjour YouTube, ici Twitch. Bonjour Twitch, ici YouTube. Oxo la Terre, Oxo la Terre. Oxo la Terre, la Terre Oxo. Ah, on a de l'endurance. Oh, les rêves de vieux, quoi. Ah ouais, mais c'est les meilleurs, hein, franchement. C'est chaud quand même, hein. Moi, je cautionne pas, hein, je précise. Oh, ah ouais, oh, le rabat-joie. Je suis tout de suite. C'est pas ce qui rate les jeunes, moi, je vous le dis. Ah bah ouais, non, mais voilà. Bon, est-ce que j'imagine que quelqu'un a encore pris plein de caisses à outils? Il me reste deux encore. Depuis tout à l'heure, j'ai des défibrillateurs qui ne me servent à rien parce qu'on est trop fort en fait pour le jeu. Et voilà. Bah, je vais prendre des petits pistolets électriques si jamais il y a des saloperies qui nous chopent. Damnet, tu viens de dire qu'on était trop fort, donc la prochaine partie on la fait en difficulté max et on voit. Pour le moment. Ça se test. Allez, j'ai pris une AK-47 quand même pour la tester. Ah, mais tu vois, c'est une très bonne arme. Ouais, alors 20 balles seulement dans le chargeur, c'est un peu de la merde. Hein. Ah, écoute, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité qui importe. C'est ça, exactement. Le AK est qualitatif. Une petite précipitation. Ouais. Ah, mais quand tu tires dans le dormeur, il y a une grosse saloperie qui sort. Oh, ouais, il y a des espèces de petites limaces dégueulasses. Ouais, il est assez glauque le dormeur, hein, franchement. Ah, c'est pas moi. Ah. Bravo. C'est la rousse. Tu sais qu'elle a tapé la... Ouais, je pense à binder la touche de corps à corps, je crois qu'il y a un truc pour donner coup de poing, non? Ouais, oui, ouais, normalement. C'est C de base, ouais. Ok, ça ne marche pas. Mais bon, ça met un peu de défi, hein. Si t'as pas du tout de corps à corps, ouais, c'est un petit peu plus tendu, ouais, j'avoue. Non, je sais pas, je vais me mettre dans un coin, je vais aller regarder ça. Option, d'ailleurs, t'as une carte pour transformer ton couteau en... Ton coup de poing en couteau. Ouais. Il est pas mal le couteau, moi je le prends tout le temps cette carte. Ah oui, d'accord. Capacité 1 corps à corps, non ça c'est ça. Normalement c'est censé être C. Frapper, ok d'accord. Frapper. À frapper, ouais. Bon, j'ai mis F, moi peu importe. J'ai mis F aussi. Je vais mettre mieux que ça encore, je vais mettre la touche suivante de ma souris. Oh, le mec. Veut bien. Ouais, ah bah ouais, non mais. Des gens qui ont des touches souris suivant et précédent et qui ne les utilisent pas dans les jeux vidéo, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais déjà, quand t'as une souris bindable et que tu ne l'utilises pas, déjà, c'est un peu bizarre. Ah ouais, mais attends, moi je connais plein de gens qui ont la touche suivant et je dis, mais vous. Non, bah non, ça sert à rien. Enfin, t'as ton pouce dessus quoi. Ah, moi je peux. Même pour bosser, je peux pas me passer d'une souris avec une touche suivant et précédent, maintenant c'est fini ça. Ah, mais moi aussi, hein. Ah, mais il peut y avoir des zombies dans les voitures. Ah, je suis désolé, j'allumais un dormeur de loin et voilà, la hitbox a fait son taf. Ah ouais, mais 20 balles dans une AK-47, c'est pas suffisant quoi. Ah non, faut prendre les chargeurs améliorés. Ah bah ouais, mais il faut en trouver. Oui. Moi je te demande que ça, hein. Ah punaise, c'est l'enfer. Ah punaise. Le fait que le flingue soit déchargé au début de la mission, j'avais oublié. Ça, ah c'est ouais, chiant. Ça te surprend toujours un peu. Hein. C'est vrai que c'est particulier ça quand même. Surtout quand tu le sors en fait. Ouais, quand tu le sors parce que t'es dans la merde, t'as plus de balles et tout, t'avais pas le temps de recharger, là, ah bah tiens, si je rechargeais mon flingue, non. Mauvaise idée. Non bah ouais, c'est sûrement un bug ça, enfin je comprends pas qu'ils aient laissé. Ouais, le niveau gameplay ça n'a aucun intérêt, ouais, on est d'accord, c'est sûrement un bug. Ça va clairement être changé. Sinon, voilà, il faut qu'on m'explique pourquoi, tu vois. Oui, ou alors voilà, il faudra une petite explication du genre, voilà. Attention, quand vous compensez la mission, vos flingues sont déchargés, je sais pas. Non, mais c'est nul. C'est complètement con. Même si c'est une explication. C'est que l'arme secondaire, c'est même pas l'arme principale. Enfin, oui, ouais, voilà. Ah, mais tu vois, il y a peut-être un truc à la con, genre au début de quand tu charges la partie, il recalcule tous tes trucs. Du coup, ton arme principale est déchargée aussi, sauf qu'il la recharge direct, tu t'en rends pas compte quoi. Ouais, peut-être. Ouais, attention, mais bon. Il y a un gros tas là qui explose. Salut Big Burger! T'es Big Burger, en fait, bienvenue sur les lives. C'est Big Burger qui a fait le jeu avec tous les mobs qu'il y a dedans. Big
Burger serait bien une référence à... Il y a toujours eu des zombies dans, dans les voitures, c'est ce qui a donné de sens aux périphes autour de Paris. Bien joué, Sir Madness. De quoi ? J'y vais. Il dit il y a toujours eu des zombies dans les voitures, c'est ce qui a donné naissance aux périphes parisiens. Moi ce que j'aime bien c'est que ton suivant les persos t'as pas les mêmes armes et pas les mêmes compétences au début. Ça c'est bien. C'est trop infesté. Ah sachant de l'effort d'aide c'est juste un skin c'est sûr. Ouais. Bon après le jeu il a 10 ans de moins quoi. Et bah chérie alors. Oui, non mais bien sûr. Seulement il y a 10 ans, des persos qui avaient des compétences, je pense que ça existait déjà. Mais... Akatsuki, toi qui connais les armes, pourquoi les mitrailleuses légères s'appellent mitrailleuses légères alors qu'elles n'ont rien de léger ? Bah, en fait... Alors déjà c'est pas mitrailleuse, c'est fusil mitrailleur. Non, justement il y a des mitrailleuses légères dans le jeu, et elles sont effectivement légères par rapport à ce qu'on appelle communément une mitrailleuse et qui est censée être montée sur pied quoi. C'est ça, en fait... Ah t'as... putain. En gros, t'as un principe qui s'appelle on va dire mitrailleuse. Hein. La mitrailleuse universelle qui a été inventée en 40, notamment par la MG42, enfin MG34, MG42, qui en gros servent à tout. Donc te déplacer ou tu peux la monter comme une tourelle en fait. Mais on s'est rendu compte de l'inefficacité de ce genre de système parce que, communément, ça sert un peu à rien de mettre un truc léger sur une tourelle, quoi. Autant avoir des plus grosses munitions si c'est pour pas bouger. Et en gros, une mitrailleuse légère, c'est fait pour te déplacer avec. Bien que ça pèse 10 kilos. Ouais. Et du coup, c'est à différencier de la mitrailleuse. Enfin, du fusil mitrailleur par exemple, ou des usis. Tu prends la M2 Browning, qui est le calibre 50, hein, voilà, la 12-7, qui date de 1930-1940. Ouais, si j'ai pas de conneries. Elle pèse 70 kg. Hein, avec son affût. 70 kg, ah ouais. Avec l'affût. Sans l'affût, t'es déjà à 20 ou 25 kg. Donc, sans munitions. C'est des, hein, c'est des équipes d'opération, quoi. Tu te fais pas ça tout seul. Oui, t'es à deux. T'es à deux. Un qui porte l'affût, un qui porte la mitrailleuse. Je vois ça. Attention les pieds. Une autre époque. Ouais, ouais. Bah, on l'utilise encore aujourd'hui, hein. C'est pété ça. Ah ouais. Putain. Ah ouais, ouais. Bah, c'est notamment ce qu'il y a sur les véhicules blindés. Et les troupes les utilisent encore pour te déplacer. T'en as toujours une dans. Enfin, t'en as toujours une. T'en as souvent une dans un groupe, quoi. Je me rappelle de la marge de 30 bornes avec une mitrailleuse M2 sur le dos. T'as dû aimer. Oui. Ah, t'as été militaire. Ouais. Un fusil à canoncier ici. Ceci explique ta passion des armes, entre autres. Non, c'est depuis que je suis tout petit. Depuis que mon papa a 2 ans, il m'a donné un usi. Depuis qu'il a 2 ans, il me fait traîner des M2 tous les matins le dimanche. C'est ça. Forcément, depuis, j'aime bien. C'est ça. Attendez, il faut que je me soigne. Ouais, il y a une petite armoire à pharmacie, pas inutile. Là. Bon, si à un moment on trouve un chargeur amélioré, je veux bien le prendre. Hein. Franchement, 20 balles dans une AK. Je vais reclaquer de l'argent pour. Alors attention, n'activez pas le truc, hein. Parce que là c'est pareil, une fois que c'est activé, il va falloir courir. On s'arrête Attention, il y a des oiseaux de l'autre côté. Ouais, mais on va courir au milieu, de toute façon il y a une horde, il faut arriver en haut le plus vite possible. Vous êtes prêts ? D'accord. Prêt ? Go ! Ah, il y a légèrement des oiseaux sur le chemin au passage, hein. Ouais. Ah putain, ouais. Allez, bon, go. Bah, s'il faut courir. On court. D'ailleurs, tu peux courir et recharger en même temps, ce qui est complètement con. Bah, tout dépend de l'arme. Hein. Moi, je peux, avec le flingue que j'ai, techniquement, je peux tout à fait mettre des cartouches en même temps que je cours. C'est pas non plus complètement improbable. En pareil, engager un chargeur, c'est pas non plus. Ouais, c'est compliqué quand même en courant.
Alors, tout dépend de l'arme, quoi. Tu trottines plus que tu cours, je pense. Oh, mais là, t'es en train de sprinter. Ouais. Ouais, tu t'appelles Usain Bolt et t'arrives à... Allez, là. Faut rentrer. Je prends ça. Porte fermée. Ouais, elle va pas tenir, hein, mais... ça permet de se poser un peu. Viens voir, maman. Une scar. Et du barbelé épique, ouais, quoi. Genre, il est violet, celui-là, il est pas... Si même le barbelé peut être épique, alors... J'ai même plus d'assez de thunes pour acheter ce... Après, faut voir ce que ça donne aussi, attention. Là, c'était un truc spécial qui... Allez, je vais tester le scar, qui a aussi... Il y a une carte payante ici, si jamais vous voulez... Bah, tu sais qu'en vrai, la scar, elle a 25 cartouches en chargeur. Une seconde. Ouais, mais je suis dans un jeu vidéo, moi je veux 180 balles dans mon chargeur. T'as une crosse complète ici et une lunette télescopique, donc je pense pas que ça va t'aider pour ton problème de munitions. Non, cela dit, bah écoute, non, ça sinon, si tu veux, j'ai déposé un fusil de chasse avec lunettes en bas si t'as envie de. Non, mais ça va, je vais tester le SCAR pour le fun. Bon, on va profiter qu'on a des petits pansements, ça coûte pas cher. Voilà, hop. Mm-hmm. Oui. Alors, les kills, j'ai eu l'impression que c'était comme dans les 4 Dead, hein, ça te recharge ta vie, mais pas définitivement, elle redescend petit à petit. Et même les antalgiques, c'est de la vie temporaire. 10 minutes à vie même. Ouais, c'est exactement comme dans les 4 Dead, mais alors pile. Hein. Je vais voir ce qui se cache là. Petit Glock 23, moi j'aime bien les Glock. C'est à moi maintenant. Allez, montons vers la vieille mine. Dans la mine. Ça plaît Ronin. Ça. Une mine. Bon, j'allais voir par là, mais y'a rien. Une mine. C'est ça, une mine. Sacrebleu. Allez, on s'active. De l'or. C'est bloqué par là. De l'or, des femmes de la bière, mon de Dieu. Les infos du général étaient bonnes. Il faut qu'on scelle les lieux. Grotta. Voilà, oh. Bien joué. Condamné, on n'en parle plus. Ah, mais Je sais pas, j'ai vu un grotta, je me suis dit je vais tirer dans le truc explosif. C'était pas une mauvaise idée, visiblement. Bon, du coup, j'ai fait rater l'objectif, j'avais pas fait gaffe. Non, non, on l'a raté depuis longtemps. C'est impossible dans celui-là. Ouais, rien que l'endroit où il faut courir, là, tu peux pas éviter les oiseaux, quoi. On l'a raté depuis longtemps, t'inquiète. Il doit y avoir une strat, mais bon... Je crois qu'on l'a raté dès qu'on est sorti, quand Damned a déclenché une alarme. Ah, ça va être ma faute encore. Bah tu sais, t'as dit, enfin, on peut déclencher des alarmes sur les voitures. C'est bien. Bah c'était là. Toi, Dacus est parti tout seul. Ouais, je vois. Ouais, le Dacus il déclenche les hordes et après il se casse. C'est comme dans Deep Rock Galactic, c'est son côté scout, ça. D'ailleurs, je vois que t'as attiré un peu de monde, là. Oui. Damned, je te couvre. Si tu veux reculer. Et est-ce que dans Deep Rock aussi, quand vous balancez des grenades, il charge? Ouais. C'est Dacus, la logique. Ouais. Il oublie de miner les ressources aussi. Ah non, là. Ah, il n'est pas un bon joueur de Minecraft. Il est plutôt, il est plutôt caisse à outils, donc ça va du coup. Ça va les réveiller. Il joue caisse à outils. Celui qui veut, j'ai des munes. Hein. Des munes? Ouais, j'ai des caisses à munitions sur moi. Ok. Qui c'est qui a encore ouvert une porte avec alarme? Oh, Dacus? Non! C'est pas moi! Au hasard, oh, une petite armoire à pharmacie là. C'est pour toi, Akad, cette armoire à pharmacie, non? Peut-être. Vu comme t'es dans le mal là. Juste à droite du truc de mine là. Là au fond. Droite du là. Truc de mine. Ah oui. Merci. Ça, c'est mon côté frontière. Ah putain, le colosse à la con. En plein haut de l'escalier là. Je passe. Ça c'était une bêtise, monsieur le zombie.
Tu sais quand t'es en train de tirer qu'il y a un zombie qui passe dans ta ligne de feu. Bah écoute, c'est un zombie hein. Ça fait c'est pareil ça, mais quand c'est un allié. Avec la tête la première. Avec la tête la première. Putain, y'a un M1A, y'a un M1A quoi. De quoi? Ah la vache. Pourquoi bah, on a pris feu là? Y'avait rien c'est au sol. J'ai pas calculé, pardon. Si, c'est, si, c'est le M14. C'est M14-1. M1A. Oui, non, mais c'est M14. Ah, ce petit retour en arrière là, je me sens dans Call of Duty là. Ah, mais la vache, c'est ouf ce bah, feu les premiers, là. Hein, bien évidemment, les vrais. On marche quoi. Même pas dessus, il prend feu quoi. Ouais, le feu il est un peu permissif. Ouais, c'est le cas de le dire. Y'a pas un petit truc explosif là? Ah, bah apparemment non, on peut pas. Merde. Ah, et puis pendant ce temps là, ils sont en train de descendre. Bon, les munitions ça dépote un peu là. T'en veux? Bah écoute, il me reste 10 balles donc pourquoi pas. Ah, je sais pas 10... comment ça marche. Ça fera 10 morts, hein, je dis pas, mais. Voilà, j'ai jeté à terre. Maximum. Je pense que tu les as consommés. Ou alors c'est peut-être que pour toi. J'ai pas encore trop regardé le truc des munitions. J'ai l'impression, ouais, je l'ai utilisé une fois ou deux, j'ai l'impression que c'est pour toi, ouais. Ce qui est un peu con du coup. Ah, je croyais que c'était pour toute l'équipe. Après, le jeu a l'air de sous-entendre des fois dans les menus que les alliés peuvent te passer des munitions, mais je sais absolument pas comment faire. Parce que c'est marqué, faites attention à ce que chaque personne ait des armes différentes, comme ça vos alliés pourront vous passer des munitions. Mais Oui, ah oui, tu veux des munitions de quoi? Parce que effectivement, on a des munitions de tout. C'est fusil de chasse. Mais ça serait bien un copier-coller du même endroit qu'on a vu tout à l'heure. Bien, j'ai posé ça par terre, tu peux les ramasser ou pas? Ah oui, ça. Effectivement. Comment t'as fait? Tu fais tab et tu glisses tes munitions en dehors de la fenêtre. Putain, c'est quoi cette petite zombie là? Ouais, je te dirais ça mieux. Ça m'y vient de où là? C'est pas moi. Putain. Il y a une échelle là. On peut monter? Il y a même pas de soin dans ce machin, c'était bien la peine. On peut carrément monter. Ouais, j'avoue. Donc, là... Ouais, tu vas dans inventaire et tu glisses tes munitions à côté. D'accord, okay. Eh bah c'est bon à savoir ça pour le coup, merci. Bah j'ai juste de l'apprendre aussi. Bah merci. Ah oui, d'accord. Ah, il faut pas. D'accord, c'est un bouton appuyé, d'accord. Ah, tout, y a pas de nom. Tombé par terre, ok, ouais, c'est pas mal. Laisse ça là. Ah bah d'accord, ok. Ah d'accord. Ça y est, maintenant qu'on a tous appris à le faire, on va s'amuser à acheter des munitions. J'ai obtenu 5 avantages, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, de toute façon, j'imagine que tout ce qu'on débloque à la fin de la bêta sera réinitialisé, de toute façon, si on décidait d'acheter le jeu. Imagine. Ouais, c'est remis à zéro. Ouais, ouais donc bon. Après, le jeu est pas mauvais, hein. Mais après, c'est clairement un jeu où il faut jouer avec des potes, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, mais... Côté répétitif quand même, enfin comme les 4 Dead en même temps. Ouais bah oui, tu vois, la campagne là on l'a faite hier, bon là on la refait, ça reste fun hein, on s'amuse bien à la refaire, mais bon hein, je vais pas la faire 6 fois de suite quoi, clairement. C'est ça, après 60 boules, ça dépend combien il y en a dedans quoi. C'est ça ouais, ça dépend combien il y a d'actes dedans. Le jeu est cher, parce que c'est... Ouais, je suis un peu d'accord. Après il y a aussi les calamités, là, enfin les corruptions qui peuvent changer, mais je pense que tu vas en avoir peut-être une dizaine différentes, et puis au fur et à mesure ça va forcément tourner toujours sur la même chose. Bah, il manque quand même un jeu comme ça, comme les 4 Dead, comme celui-là, où t'as des petits embranchements quand même que tu peux choisir, ce qui permet quand même de créer une petite rejouabilité, hein. Je sais bien que c'est jamais un truc de fou, mais... Ouais, tu veux faire genre... T'aurais genre 10 missions, et chacune a la 2 fins disponibles, et en fait au final ça te fait une trentaine de missions. Genre, ouais, voilà. Ou même t'as différentes safe houses. Là, on aurait pu imaginer qu'on montait à la mine par ce chemin-là et par un autre. Ouais, ouais, oui. Tu fais deux choix, tu t'enfonces dans la mine, tu fais ça. Ça, ils en ont jamais fait un jeu comme ça où t'as vraiment un peu de choix. Sans dire que ça va tout révolutionner, je sais bien, mais c'est moins classique quoi. Après, ça existe peut-être, mais tu l'as peut-être pas encore vu. Ah oui, oui, oui. Ce qui veut dire que ça existera un jour, mais pas encore. Non, ou alors que ça existe, mais que bah, tu l'as pas acheté ou tu connais pas le jeu.
Ah oui, d'accord, oui, oui. Bah, en jeu de zombie FPS comme ça. Ouais, y'en a pas non plus 600 000 sur le marché, quoi. Bah, c'est ce que je me dis. C'est pas faux. On s'équipe. Il y avait un zombie, je lui ai éclaté le crâne, excusez-moi. Donc c'est la mission finale, préparez-vous bien. Tout le monde est prêt. Et n'hésitez pas à vous servir de la petite armoire à pharmacie, genre toi Damned, pour remonter ta vie au max là, t'es pas au max. Ouais, je l'ai fait tout à l'heure moi. Je l'ai fait tout à l'heure. Ah oui, c'est mieux effectivement. Ouais, des fibrillateurs je vais quand même les garder, mais bon, si je pouvais acheter... Il y a un chargeur agrandi par terre, peut-être que ça peut t'intéresser. Mais j'en ai pris un bleu. Ah, ouais. Et un peu mieux. Est-ce qu'on peut utiliser ce canon? Putain! Hey. J'avais oublié ce léger détail. Ça m'a fait la même effet hier. Il y a des cartes là où on est tombé. Je sais, il y a mon fusil en violet, mais par contre, j'ai pas les équipements. Bon, je vais pas le prendre du coup. Chargeons ça et faisons sauter ce spot. Bon, alors là pareil, il va falloir une personne qui porte les obus et qui tire à l'obusier et les autres qui le protègent, donc Moi je veux bien porter les obus. Je vois que Damned est déjà chaud avec les obus. Je suis en train d'en mettre un là pour le moment. Et donc j'imagine qu'il faut pas appuyer sur ce bouton là. Ah, tant pis. Si, il faut tirer, après faut que tu décharges. Maintenant que c'est fait, faut enchaîner. Hein. Faut que tu décharges décharge la cartouche, c'est marqué dessus. Ouais, c'est bon, je vais en prendre un autre, etc. Et après, t'enchaînes, ouais. Punaise! Ok. Ah. Ça a l'air de bien se passer. Je me suis fait avoir sur le flingue, encore une fois. Je crois que je vais me faire avoir aussi. Eh oui. Ah, je suis revivant. Je te relève, Damned. Tu m'as relevé, mais merci. Non, rien. Moi, ce que j'aime bien, c'est Damned qui était là en mode... J'ai des défibrillateurs, mais on les utilise jamais, et c'est lui qui tombe. Mais c'est ça, c'est carrément ça. Aïe, 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 aïe. Aouh ! Ouais, je crois que je vais pas... Ah, toi, faut au limite, faut que tes armes t'oublient, quoi. Ah, mais moi, j'ai pas tiré une seule fois, hein. Après un coup de canon, faut peut-être mieux que tu tires un peu parce que ils sont vraiment très nombreux. Quoi. Bouge pas, je te soigne. Wow. Putain. Du coup, c'est moi qui j'ai pris le. Je voulais te filer un antalgique et c'est moi qui l'ai pris comme tu courais partout. Ouais, d'accord, ok. Désolé. Alors, comment on fait. Attends, excuse-moi, je cherche mes défibrillateurs, je ne connais pas. Avec 5. Arrête de gigoter. Merci, mon petit Damned. Je t'en prie. Si tu veux, il y a un obus juste à côté de l'obusier. Ah oui, il y en a 5 à faire. Bah, j'aimerais bien laisser faire. Je laisserai faire le prochain à 4 quand même, qui prennent plaisir, s'amuse. Je te laisserai faire les deux prochains à 4. Voilà. Oh là là. Comme ça. Ah, mais faut enchaîner hein, par contre là parce que. Ouais, mais il va enchaîner à 4. Il va enchaîner. Allez, à 4 là. Il y a un gros tas là. Je sais pas où ils sont les autres, mais. Il y en a un juste devant l'obusier. Non, tu l'as pris. Putain, y'a une piqueuse là. Ils sont derrière là. Ils sont derrière, viens là à 4. En l'an, y'en a un peu partout. Hein. Là, y'en a un là par exemple. Ici là. Ah, oh putain, l'exploseur qui charge l'obusier, ça là, fait mal. Là, derrière toi. Derrière toi là, il est dans la caisse juste derrière là. À la queue! Ah putain, ouais, ils sont loin ceux-là, la vache. Ils sont tombés loin. Je prends. Cover me! Yes! Il est où le colosse? Il est au fond là, mais. Ah, il est au fond, ouais, ça va. Ah, mais sinon, vous pouvez lui mettre un. Mettez-le devant le canon! Bah, il veut pas bouger! Ah, t'inquiète pas, ça va popper dans le canon là en haut, là, dans pas longtemps. Allez, il faut faire la dernière là. Ouais, j'ai pas compris le tir, il a rien fait. Il y a un autre colosse qui approche. Un petit canon 155, moi je dis, y'a que ça devrait. Bah ouais, mais moi perso ton dernier tir, j'ai même pas vu d'impact, j'ai rien vu. Cover me. Non, je crois que je vais pouvoir prendre une douche après. Ah oui, non mais là niveau
laisse appuyer au moment de lancer un molotov, ça te montre la zone où il va tomber. D'accord. Ouais, ça montre une petite zone, ouais. Tous dans le Humvee. Merde, putain, ah un Katsuki. Oh ouf, j'ai le minigun. C'est un peu tard. Bah tire. Ah bon? Bah je peux pas. Non, voilà. Ouais, le minigun dans le Humvee, tu peux pas tirer, ouais. Je pense qu'il y aura une suite probablement, et ils prévoiront un truc, mais pour l'instant, il sert à rien. Ah, et là, c'est fini, c'est ça? Ouais. Et là, c'est la fin. On a condamné la mine et. D'accord, ok. Bah, c'est fun, hein. Ouais, un petit 1h30, on a mis quoi, 1h43? Bah, ouais, 3 épisodes pour la VOD de 30 minutes en moyenne, donc ouais, 1h30. Bon, sachant qu'on était en difficulté minimum, hein. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, le jeu est assez fun, il y a des trucs à faire, hein. Il y a encore un peu de travail quand même sur le jeu, notamment sur les cartes, je trouve. Ouais. Pareil. Bon, peut-être un petit tuto pour t'expliquer justement ces cartes, un peu les armes. C'est pas assez. Ah bah là, clairement, ouais. Tout à l'heure, les améliorations d'armes, elles sont pas assez claires en fait. Ça te dit pas, voilà, ton chargeur il passe de 12 à 24. C'est ça. Mmh. Ton canon là, les canons éventuellement tu peux prendre, c'est un peu plus écrit, les crosses aussi ça te dit, tu vas recharger plus vite, ouais. Tu vas avoir moins de recul, etc. Mais... Ouais mais tu vois par exemple t'as un truc qui s'appelle mobilité, qui en vrai tu sais pas trop ce que ça fait non plus, tu vois. C'est vrai. Oui c'est vrai, ouais. Alors je vais montrer pour c'est les joueurs. C'est la mobilité? C'est la vitesse de déplacement, c'est... Avec vos points de ravitaillement, en fait, vous pouvez débloquer des ensembles. Donc là, par exemple, j'ai commencé à débloquer la clinique, il me restait le dernier truc. Ouh. Et ça vous rajoute des cartes, des petits emblèmes, de quoi faire un peu de customisation. Ah oui, tu parles de ça. Hein. C'est vraiment histoire de dire qu'il y a une customisation, quoi. Ouais. En fait, vous pouvez customiser ce truc-là, là. Choisir... le logo, vous pouvez choisir le titre éventuellement. Terminé, bannière. D'accord. Et c'est donc, ça te débloque d'autres trucs, c'est ça? Bah non. Bah, en fait, chacune, elle te permet de débloquer des cartes, et puis des sprays et des petites conneries avec. D'accord, ok. Ouais. Alors, c'est comme ça que tu permets d'améliorer tes decks, quoi, mais... Ouais, non, mais tu vois que... Voilà. Moi, c'est pas un truc qui me... Qui va changer ma vie, tu vois. Non. Bah, dans le jeu, ça peut finir par jouer, pareil. Tu vas faire ton deck, t'as 15 cartes, etc., machin, mais bon. Il y aura sûrement des combos à un moment, ou des trucs du style, mais bon, alors voilà, que Antiproc, changer sa barbe... ça change tout. Ça change tout dans le jeu, complètement. Ah bah oui, bah tu es un nain. Hein. Un nain qui change. Ah, j'ai pas vu ici, il y a d'autres armes aussi. Non, c'est les mêmes armes, mais c'est surtout les armes de Korakuen. Et en haut, tu peux personnaliser avec tous les chargeurs, les trucs. Ouais, ça j'avais vu ça. Les viseurs. Ouais, tu vois, ce qu'on disait, maniabilité, ça veut dire quoi dans le jeu en fait, en termes. Ça veut dire quoi vraiment maniabilité dans le jeu? On ne sait pas. Ouais, je sais pas. Je pense, alors au hasard. Est-ce que c'est pas le tir sans mettre le viseur avec le clic droit? Bah, j'appellerais pas ça de la frappe. Non, moi non plus, hein, mais je sais pas. Maniabilité, pour moi, ce serait plus, tu sais, ta vitesse de rotation. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais, parce que la vitesse de mouvement, bon, je veux dire, c'est à peu près clair, quoi, mais... Portée, bon, voilà, mobilité, hein, je sais pas trop, précision... Tu vois, moi, ce serait plus la précision, ce que tu disais. C'est vrai, ouais. Je sais pas, c'est pas... voilà. Je sais pas, c'est pas très clair. Non, voilà. Bon après là j'ai une M4 donc forcément c'est une arme de caca. Parce que c'est une M4, hein, de base. Eh bah ma foi, ça a permis de faire une, on va dire, une petite découverte. Yep. C'est ça. Bien sympa quand même. Ouais, oh, ça reste intéressant. Hein. Alors, par contre, c'est sûr que si ils te mettent... deux campagnes, alors là je vais être clair, s'ils mettent que deux ou trois campagnes, le jeu vaut pas 60 boules quoi. Non, bah même là, franchement, même s'il y avait genre 4 hacks, tu vois, le classique c'est 4 en général, bon, ouais, aussi. C'est, voilà, ouais. Bah, c'est pas non plus... Ça ferait quand même 15 euros l'heure et demie de jeu, quoi, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Clairement, c'est pas très épique l'émission, hein, quand même, globalement.
Après, ouais, on pourra essayer en mode difficulté maximum, hein. Ça rajoute quoi? Je vais jeter un oeil sur la difficulté max. Bon, plus d'ennemis, je pense, peut-être moins de PV. Le niveau 2, il y a 35% de tir ami. Ouais. Et si je dis, alors, créer cauchemar, les joueurs ont une tentative en moins, les joueurs subissent des dégâts de traumatisme supplémentaires quand ils sont blessés, les infestés voient leurs dégâts et leur vie accrue, et 60% de tir ami. Ouais, d'accord. Ça peut être un peu plus costaud, quoi, mais c'est pas non plus... Ouais. Bah, après, le tirami, je pense que ça aurait fait des ravages, quand même, hein, parce qu'on se tirait quand même beaucoup dessus. Ouais, le tirami, on aurait probablement bouffé un peu, ouais. Parce que, oui. En fait, ce qui est... Dans le... En fait, quand t'as pas le tirami, tu joues un peu nimp, et quand t'as le tirami, par contre, tu vas être plus tendance à être en ligne ou des trucs comme ça. Je pense. Oui, bah forcément, tu fais plus gaffe, donc... Après, par contre, le roadster d'armes, je le trouve assez intéressant. Ouais, y a pas mal d'armes, ouais, c'est le seul truc. Le workshop là laisse sous-entendre qu'il y aura moyen d'acheter des améliorations durables ou des trucs du style, peut-être débloquer des armes pour le démarrer. Après, il y en a beaucoup sans en avoir beaucoup, tu vois. Et je trouve qu'ils ont mis le bon nombre en fait. Ouais, y a quoi, à peu près 5 fusils d'assaut, 5 fusils de chasse. Bah t'as 2 mitrailleuses légères, c'est pas mal. T'as 2 mitrailleuses légères, 3 fusils, 4 fusils, 1, 2, 3, 4, 4 fusils d'assaut, 4 fusils de chasse, 4 fusils à pompe, 3 pistolets mitrailleurs, 4 pistolets mitrailleurs et 4 pistolets, ils ont à peu près mis 4 de chaque. Donc en pour montrer ce qu'on parlait tout à l'heure en termes de mitrailleuses légères, c'est ça, c'est vraiment le... Voilà quoi. Petite M249, la petite Minini. Après, c'est le truc qui te sert quand il y a vraiment une grosse horde et que tu l'as au bon moment, quoi. Mais tout le temps dans le jeu, c'est tendu quand même. Parce que rien que la mire de visée, il suffit qu'il y ait un ennemi à côté de toi, c'est la merde, quoi. C'est ça. Alors, à savoir que c'est la mitrailleuse légère de l'armée française. Voilà, la M249. C'est marrant, et là par contre, il y a des dégâts de tir ami. Genre là, je peux te tuer. Ouais. Oh, ouais. C'est complètement slow. Con! et en parlant de ça, dans les mitrailleuses, j'étais surpris qu'ils aient pas glissé le FAMAS, qui est souvent glissé dans les jeux. Ah, c'est vrai qu'il en manque, hein, mais bon, après. Ensuite, dans Counter-Strike, il y est, dans pas mal de jeux, il y est quand même le FAMAS. Ouais. Après, il y en aura peut-être aussi. Je sais très bien le FAMAS. Voilà, mais pour le jeu, pas la meilleure... Non, il pouvait pas mettre la meilleure arme du monde. Forcément. Je pense que de toute façon, l'un des trucs qui va jouer sur la durée de vie du jeu, c'est les armes. Donc à mon avis, ils en rajouteront régulièrement, t'auras des packs, des trucs du style. Le pack on verra. Franchement, on verra. Faut voir le contenu final. À 60€, faut voir le contenu final. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pour le moment, bon. Mais ça va m'embêter d'acheter le jeu 60 balles, tu vois, juste pour voir le contenu final. Ouais, je suis d'accord sur Madness. Pour l'instant, le contenu, il est limite. Après, voilà, c'est vraiment la première bêta pour découvrir un peu le truc. Ils ont mis la première campagne, il n'y a même pas la campagne solo et tout. Il y a du PVP aussi, on n'a pas du tout testé la partie PVP, mais il y a effectivement du PVP. On peut tester là, regarde, viens mon petit signe noir, on va se battre. Non, mais vraiment, le match PVP avec voilà 4 joueurs zombies, 4 joueurs pas zombies, on va voir comment ça se passe. Quoi. Vraiment, parler du match de boxe. Ouais, non, le truc de boxe à l'arrache, bon, ouais, je veux bien, mais... Déjà j'ai pas d'endurance parce que je viens de courir. En plus là pour le coup, contrairement aux armes, on dirait que ça fait pas de dégâts. Alors on se fout des patates de foin, hein, comme des gros. C'est comme des gros sacs. Donc voilà, bon pourquoi pas. Voilà. Bah je vais arrêter là l'enregistrement pour la VOD, je pense qu'on a à peu près vu tout ce qu'il y avait à voir, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, à aller voir la chaîne d'Akatsuki, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais Akatsuki est également streamer. Et donc je mettrai des petits liens dans les descriptions des vidéos. C'est gentil. Et puis bah pour ceux qui sont sur Twitch, on reste un petit peu papoté. Ciao. Ouais, des bisous. Merci.